On fait India, restaurant à volonté, spécialité créole indienne, présente en Ouaille. Qui jase, nous voyons un paquet de l'amour, bâton, cacadé, nous grand tête, basse tête, maïgalante, les sept, la désirade, Saint-Martin, Saint-Bart, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Réunion, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, Lyon, Strasbourg, Marseille, en Normandie, en Occitanie, en Ile-de-France, 91, 92, 93, 77, 78, Créteil, Gargé-Gonne, Stein, Sarcelles, le Mali, le Sénégal, le Congo et toute l'Afrique. Qui jase, nous avons un paquet de l'amour, bat tout le monde qui a gardé nous. Sakai, bon, là, nous avons partagé une heure où nous avons déstressé ces autres. Elle est sortie de très loin. Elle est sortie depuis plus de 8000 km. Elle est là. Et elle a un message pour vous. Elle s'appelle Samira. C'est parti. Zoomé, bon, moi. Comment ça va, Samira? Regarde la caméra. Voilà, présente-toi. Dis-nous tout. Bonjour, je m'appelle Samira. J'arrive de Pessac. Alors, Pessac, ça se situe où? Pessac, c'est pas loin de Bordeaux. C'est à 20 minutes de Bordeaux, à peu près. Donc, j'arrive de loin, effectivement. Pourquoi tu es là aujourd'hui? L'univers qui m'a amenée ici par hasard. Mais j'avais un message à délivrer, surtout. Il y a beaucoup de fausses croyances autour de mon métier. Donc, je suis énergéticienne. C'est-à-dire, attention, on va parler des énergies. Zoumé, mettez un grand. Elle nous vient de plus. Pessac, près de Bordeaux. Allez, mon gars, était Bordeaux. Est-ce qu'elle est de la Pessac? Donc, tu es énergéticienne. Alors, énergéticienne, est-ce que tu peux nous décrire ton métier? C'est quoi? Je vais essayer de parler. Est-ce que c'est magnétisme? Est-ce que ça, c'est ça voit que le magnétiseur? Parce que tu sais, ici, il y a beaucoup de trucs. Il y a matéqués, boiseurs, des gardes d'affaires, des mentimenteurs. Alors, c'est quoi? Dis-nous tout. C'est un mélange de plein de choses. Mm-hmm. Le but de mon travail, que je fais avec tout mon cœur, c'est d'aider les personnes à devenir elles-mêmes, à libérer toutes tes croyances limitantes, les carcans, les blocages. Et réussir à oser être soi, ça passe par effectivement du magnétisme, ça passe par du massage corporel pour se donner de l'amour propre. Et je suis aussi accompagnatrice spirituelle, j'organise des stages et des retraites autour du bien-être et du développement personnel. Donc ça passe par plusieurs choses et intuitivement je me laisse guider et j'accompagne les personnes à oser briller. C'est-à-dire, quand tu dis que tu vois les différentes personnes dans les carcans spirituels, ça veut dire quoi exactement? À cœur ouvert, on parle sans filtre. À cœur ouvert, ça veut dire. On essaye. Vas-y. Alors, ça veut dire que, en fait, quand on arrive dans ce monde, on a une mission, on a tous une mission, on a tous une raison d'être. Et notre éducation, nos croyances, le regard des autres et nos blessures, nos traumatismes, nous poussent à amputer une partie de nous, à brider certains morceaux, certaines parts de nous. Et on se retrouve à être transformé et à devenir ce qu'on attend de nous et à perdre ce qu'on est venu être. Et le but, c'est vraiment de se chercher, de libérer tout ce qui est en trop pour le plus possible enlever tous les filtres et les œillères qu'on nous a mis. C'est-à-dire, sois plus expressif pour qu'on puisse comprendre. Parce que là, les gens chez eux, ils sont perdus. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut raconter? Ils sont si au lab. Alors, pourquoi tu es en Guadeloupe? Pourquoi regarde la caméra? Pourquoi je suis en Guadeloupe? Explique au peuple, c'est pourquoi tu es là. Cette île m'a appelée viscéralement. Comment? Explique-nous. Alors, il y a 2 ou 3 ans à peu près, je ne sais plus comment,
J'ai eu ma première cliente par téléphone parce que les soins énergétiques se passent aussi à distance. Hein. L'énergie n'a pas de frontières. Attends, pas au téléphone, tu peux guérir quelqu'un, tu peux chambouler, arranger sa vie, tu fais son parallélisme, tu es en train de faire ça, ça, hein, son rééquilibrage, tout exactement. Ça par téléphone. Par téléphone. Oui, oui, oui. Alors on attend des appels, on verra si c'est vrai. On attend un appel là, maintenant, ce moment même, au 05 90 96 10 10, sous mise en rééquilibrage, si pas, sous mise en pas bon, si vous voyez rééquilibrage en pas bon, s'ouvre coca, hein, ou un choquet, ça va pas. Appelle-nous maintenant, ce moment, au 05 90 96 10 10. Continue. On attend un appel, hein. Vas-y. Donc, le but, c'est d'aider les personnes à se... En fait, c'est les personnes qui se guérissent elles-mêmes. Ce n'est pas moi qui les guéris. Comment ça se fait? Ça se passe par plein de façons. Ça peut être... Moi, je reçois des messages quand je me branche à quelqu'un, intuitif. Attends, tu te branches? Quand je me branche comment à quelqu'un, comment tu veux te brancher à quelqu'un? Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est quelque chose que j'ai depuis ma naissance que je ne peux pas expliquer. Ou faites comme ça. Ou faites comme ça en français. Tu es né comme ça. C'est ça. Exactement. C'est comme des intuitions. Par contre, ça ne... Il y a des personnes où c'est plus facile que d'autres. Il y a des personnes où ben, j'y arrive pas. Et je le dis clairement. Oui, les gens qui sont connectables. Il y a des gens qui sont trop brouillés. Ça n'arrive pas à rentrer en Wi-Fi avec eux. Exactement. La connexion Wi-Fi Bluetooth ne marche pas. Donc, tu rentres dans le disque dur des gens? On va pas dire ça, c'est un peu égotique de dire ça. J'essaie de faire une image. Comment tu fais? Image. Un appel? Attends, je ne peux pas comprendre. Toute la journée, je n'ai qu'à garder des affaires. Je n'ai qu'à 15 voisins. On a une énergie de 5 qui est là. Et vous avez peur d'appeler. Et ils ont fait la queue. Partout. Et non. Ils ont peur. Personne n'appelle. Ah, il y a un appel. Ils ont peur de toi, je ne sais pas. Pourtant, je croyais. Je pense que c'est la puissance, peut-être. Attends. Non. Attends. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Oui, j'appelle des petits bouts. Le prénom? Linda. Linda? Bonjour, Linda. Alors, attention, mais Samira, grand. On te laisse parler avec Samira. Allez, vas-y. Samira, bonjour, vas-y. Linda. Alors, Linda, il faut couper le son de la télé, parler que de le téléphone. Oui? Coupe le son de la télé, Linda. C'est pour ça qu'on a... J'ai coupé la chambre. Voilà, alors Linda, on t'écoute, vas-y. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour ma santé. Linda, il faut couper le son du téléphone. Pas du téléphone, de la télé. Il faut couper la télé. C'est pour la santé, comme la mois déjà commencé. Non, attends, Linda, tu m'écoutes? Linda? Oui. Faut couper le son de la télé. Oui, j'ai déjà baissé. Non, faut le couper. Coutez quand téléphone là, parce que c'est ça qui fait l'interférence. D'accord? C'est bon? Oui. Vas-y, vas-y, Samira. Bonjour, Linda. D'accord. Oui. Ah, Linda, pas couper sur la télé là. Faut couper sur la télé là, coutez rien qu'un téléphone là. Parce qu'elle nous connaît tout. Allô? Il faut le couper même. Écoute quand dans le téléphone. Voilà. Oui, allô? Coupe le son. Il faut un petit TV parce qu'elle doit avoir un certain âge. Linda, coupe le son de la télé. Oui. Coupez, mettez à zéro. Écoutez, rien qui a un téléphone là. J'ai déjà baissé la télé. Hein. Il faut. T'as vous baissé complètement? Oui. Ok, on t'écoute, vas-y. Vas-y. Mais non, pas baisser la télé là. Il y a une... Oui, j'ai baissé la télé. Mais attends deux fois, c'est parce que ça voit pas dans la télé. Oh, c'est dommage. Allô? Voilà, laisse-moi qu'à crier nous. Il faut couper son télé là parce que c'est inaudible. On peut pas entendre. Voilà, donc, laisse-moi qu'à crier nous. Mettez là, si mute, si silence. Écoutez rien qu'un téléphone là parce que sinon nous ne pouvons pas. Et Samira, bizarre, concentration. T'as besoin de beaucoup de concentration pour... Ah oui, pour travailler, oui, il me faut du silence, du calme. On va se prendre notre appel. Alors, qu'est-ce qui t'a amené en Guadeloupe, tu m'as dit? J'ai été appelée. Ça fait 2-3 ans où j'ai eu ma première cliente par téléphone, en soins, qui m'a trouvée par Internet. Et puis, petit à petit, un réseau s'est fait. Et... Vas-y, continue. C'est bon. Oui. Et donc, sur un coup de tête, j'ai vraiment été appelée viscéralement, en pleine nuit, en septembre. Ça m'a dit... Est-ce que tu connaissais la Guadeloupe? Du tout. Tu es d'où? Alors, ce sont aussi mes origines, mais
un peu plus lointaine. Mon arrière-grand-père est de Basse-Terre. Oui, oui, oui. C'est les ancêtres criots, alors? Les ancêtres, oui, exactement. Waouh. Mais sinon, j'ai... Ton arrière-grand-père était de Basse-Terre. Exactement. Donc, la source à la source, au retour à la source. Exactement. On prend un appel. Allô? Allô? Ah, ils sont embrouillés, hein? Allô, 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 allô? Bon, eh bien, t'es capable de faire ton consultation gratuite. Mon cher, nous faisons 100 téléphones, hein, parce qu'elles ont dormi. Bon, alors, il y a des gens qui sont sur les réseaux qui veulent savoir quelle est la pierre qui est dans ton cou. Alors, c'est une labradorite. C'est une pierre qui est sur mon cou depuis très longtemps. Je ne mets que ce pendentif-là depuis longtemps et c'est celle qui me correspond le mieux. Et comment tu as trouvé que cette pierre-là est avec toi? Qui te l'a donné? On me l'a offert, une amie du passé. Et en fait, je l'ai pris à la légère au départ et puis c'est devenu, j'ai ressenti ses bienfaits en moi. Et c'est devenu mon amulette, mon talisman. Et j'en ai plusieurs pendentifs différents, mais de la même pierre, et je change régulièrement. Comment s'appelle cette pierre? La labradorite. Labradorite. On a un appel. Allô? Allô, je suis capable. Allô, la famille, tu nous appelles d'où? Jean, ben on t'écoute, Jean, vas-y. Bonjour, Jean. Ouais, moi, en France, là, dans Aéromont, là, oui. En fait, c'est pas déjà, bonjour à mademoiselle là. Bonjour. En principe de respect. Et bonjour à toute la Canal 10. Oui. Et aussi, merci de vous envoyer là, pour cette boule-là, en comptant contre vous, si vous là. Merci. Et toi, et la dame, enfin, la dame, madame, mademoiselle, super, c'est très, très bien, déjà, avec le respect mutuel, tu la vois. Alors justement, là, qu'on voit, qu'on ressent, qu'est-ce que tu ressens? Alors, voici, maman est là grand, qu'est-ce que tu ressens dans son regard? Parce que là, elle est près de moi, mais on aurait dit que c'est comme un... Faut pas que je dise ça parce qu'on est en tête. Moi qui suis dans la même pièce qu'elle, c'est comme si que... Pauvre, faut pas dire ça non, à la télé. Vas-y. Mais on comprend, ça veut dire, Jean. Vas-y, Chicago. Oui, sont des instructions qui passent en toi. À part moi qui dis, c'est où qui dit? Oui! Oui, 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 oui. Oui. Parce que mon nom, c'est moi, et ça fait moins de titres à servir sans moi. Eh bien, pose ces questions-là. Et pas tout le créole, pas créole. Ouais, je parle pas créole. Alors parle en français pour qu'elle puisse comprendre. Elle va te dire peut-être. En créole ou en français? En français. Oui, bonjour, je me présente Jean. Bonjour. Et il y a un ressentiment dès que vous parlez, même avant que vous parlez. Et moi, j'ai un truc qui tombe sur moi tout de suite. Déjà, première, deuxième, c'est parce que j'ai une alliance. Je vais vous le comprendre. J'ai une alliance et tout fait écho. Alors, j'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Donc, pardon. Je dis de vous voir quand vous parlez. Et moi, il y a un ressenti tout de suite parce que j'ai une alliance. Je ne peux pas vous dire plus. Hein. Et cette alliance, il fait écho tout de suite. Et puis, la voix de la personne. D'accord, ok. Voilà. Merci. Alors pourquoi son alliance fait ça? Ah, ça, je n'en sais rien. Oui, c'est quand même. Pour l'alliance, là, vous avez compris, hein. Son but est depuis ici. Et là, en fait, pas pour moi. Il m'a demandé l'alliance. À part du plus, vous avez compris. Mais c'est alliance à qui, Moun? Alliance à maman ou? Pas pour moi. À grand-mère ou? À papa ou? Pas donc, pour moi. Et alliance à gratter ou? À part pour du gars, mais quand on mienne, quand on. Ok, mais est-ce qu'on a une question à poser Samira là? Est-ce que tu as une question pour Samira? Choisis bien ta question. Tu as droit à une question. Choisis bien ta question. C'est parti, Jean. Une question? Oui, pour poser. Cette question. Par rapport à vie, par rapport à vous, hein? Ou à mon famille, ah, oui, qu'est-ce que vous voyez à mon entourage? Comment tu vois son entourage? Alors là, comme ça, mais c'est impossible. Il me faut ta date de naissance, il me faut des éléments, une photo. Je ne peux pas forcément comme ça te le dire. Voilà, en fait, il me faut une certaine connexion, vous concentration. Vous n'avez pas des éléments, vous ne pouvez pas vraiment faire avec moi. Voilà, il a bien compris ça, que tu ne peux pas le faire maintenant, il non, faut qu'il te voie. Non, je ne peux pas, c'est impossible. Voilà. Je peux répondre que aux questions... Donne un style de questions qu'on peut te poser. Autour de la spiritualité, de ma vision, mon approche, ou comment j'ai découvert ça, ou comment j'accompagne les gens à ouvrir leur potentiel. Comment ça s'est posé à moi, enfin des questions sur... autour de la spiritualité, si je peux répondre, je te réponds avec grand plaisir et avec mon cœur. Je comprends, je ressens de toute manière. Déjà que vous parlez comme je viens vous dire, je vais être beaucoup plus sincère.
Et je... Il y a un ressentiment qui cultive déjà. Oui. Ouais, c'est gentil. Tu peux me tutoyer, hein? Pardon? Tu peux me tutoyer. Oui. Tout ce que tu dis là, même avant, même tu dis tout, excuse-moi. Parce que dès que tu parles, tu sens le truc que le ressent. Moi, d'accord. Tu vois, ça fait tic déjà, ça fait... Ouais, donc tu le ça résonne. Tes paroles résonnent en lui. C'est parce que tu es intuitif aussi et que je pense qu'on est dans une période depuis quelques années où les personnes similaires se reconnectent ensemble. C'est ça, vous avez tout dit. Exactement, et tu peux me tutoyer. J'ai l'impression que oui. Ça me vieillit quand tu me vois. Et je pense que les familles d'âmes se rejoignent simplement et qu'on est vraiment appelés à se reconnecter depuis quelques temps. Donc ça fait écho en toi parce qu'on a la même racine sûrement vibratoire, énergétique. Et voilà, il y a des gens avec qui la connexion, elle passe et des gens avec qui c'est un peu plus compliqué. Ah ben, Jean, on te remercie la famille. Ouais, mais... Je veux rentrer plus en profondeur à l'intérieur du mystère que cache Samira. Oui, mais ça, c'est déjà vous appelé déjà plus. Parce que vous ne pouvez pas appeler, c'est là que vous appelez. Vous ne pouvez pas appeler, mais vous appelez pour dire qu'on nuit. Et c'est d'appeler quand même plus essayer avancer dans le système. Et puis là, c'est juste ça pour nous donner. Voilà. Mais vous appelez pour quand même vous comprendre. Voilà, mais ça, nous quand même aussi aux gens. Merci pour l'appel là-haut. Merci. Pas de problème, on revient bientôt. Big up, boudoum. Merci. Alors, Samira, on va revenir sur la spiritualité. Oui. Qu'est-ce que tu penses des religions, déjà? Alors, moi, j'ai été élevée dans une famille religieuse. Hein. Mes parents sont musulmans, ma mère est pratiquante. Donc, j'ai eu à être dans la religion jusqu'à l'âge de... jusqu'à l'âge de 2014, je ne sais pas quel âge j'avais. Donc, j'ai eu... La religion, et puis après, quand mes capacités se sont vraiment ouvertes, personnellement, moi, je suis spirituelle, j'ai la croyance animiste. Donc, dans ma croyance, tout est vivant. La pierre qu'on porte, l'air, l'eau, la terre, le feu. Je prie l'univers et je ne prie pas Dieu, mais je pense vraiment que chacun voit midi à sa porte et que c'est important de se respecter. Est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu? Je l'appelle l'univers. L'univers? Oui. Pour toi, l'univers, c'est Dieu? Pour moi... Donc, tu penses qu'il y a Dieu? Alors, non. Attention. C'est pas tout à fait la même chose. On revient à la question. Exactement. Est-ce que tu penses qu'il y a un Dieu? Alors, oui, mais pas comme la définition que les gens pensent. On revient à la question encore. Samira, regarde-moi bien. Je te vois. Fixe-moi. Je te fixe. Écoute le son de ma voix. Je t'écoute. Je te ressens. Ne dis pas ça quand même à notre Dieu, je te ressens, oh là là. Tu te ressens, il y a des malentendus. Ils vont mal interpréter ça. Il y aurait des attaques, il y a un petit village à Chantichika. Oh là là, oh. Bon, sérieusement, Samira. Oui. Est-ce qu'il y a un Dieu qui est supérieur à toute chose? Oui, je suis d'accord, oui. Amen. Quel oui. que soit le nom que tu lui donnes. Exactement. Il y a un être suprême. Bien sûr. Que tu l'appelles l'univers. Que tu l'appelles la source. Bien sûr. Que tu l'appelles... Regarde-moi, Samira, regarde-moi. Voilà. Que tu l'appelles l'univers. Que tu l'appelles la source. Que tu l'appelles par le nom qui te fait plaisir. Exactement. L'important, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a un être suprême. Complètement. On est d'accord? Et sans lui, on n'est rien. Amen! Parce que c'est lui qui nous donne les messages, qui nous guide et qui nous envoie les... Alors, je retiens ma question. Samira, est-ce qu'il y a un Dieu? Oui. Amen. Continue, on est d'accord. Pour l'instant, nous d'accord. Nous allons continuer. Alors, à quel moment tu t'es rendu compte que toi, tu avais une mission sur Terre? Bonne question. Je pense que j'ai été amenée de fil en aiguille à comprendre ça. Mais le moment où j'ai vraiment réalisé ça, c'est en 2014. En 2014. Oui. Comme mon frérot vient de me dire, big up mon frérot, tu connais déjà Vivi? Non. Il y a un Dieu qui contrôle l'univers. Est-ce que tu es d'accord avec ses propos? Complètement. Amen! Redis ça encore! Big up Vivi, je connais mon frérot. Il y a un Dieu qui contrôle l'univers. Est-ce que tu peux répéter cette phrase à moi? Il y a un Dieu qui contrôle l'univers, mais... Amen. Mais, continue, vas-y. Mais on a le libre arbitre. Bien sûr. Mais il y a un Dieu qui contrôle l'univers. Complètement, une force supérieure. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Pour émission à fort, émission à trop coûte, hein, parce qu'elle a commencé à sortir. Il y a un monde en face à moi. Il y a un monde qui est en face à moi pour que nous puissions échanger. Il y a un monde en face à moi qui peut parler avec moi. Ouais, là, on peut laisser spiritualité à moi développer. Ok, attention.
Nul être sur terre ne peut dire demain. Demain, ça veut dire nul être sur terre ne peut nous dire si demain elle-même elle sera vivante. Complètement, je suis d'accord. T'es d'accord avec ça? Je suis d'accord. Nul être sur terre ne peut dire le temps qui lui reste à passer sur cette terre. On est d'accord? Pour elle-même, pour cette personne-même. Donc ça prouve bien qu'il y a un Dieu qui contrôle l'univers. Oui, en fonction, complètement. D'accord, ben je te laisse continuer. On est d'accord. Mais j'insiste sur ma croyance qu'il y a le libre arbitre aussi. Toujours. Et qu'on peut, il n'y a pas, pour moi, je ne crois pas en un seul destin. Mm-hmm. Je crois en une infinité de possibilités selon les choix qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que chaque choix a des conséquences. Exactement. On est d'accord. Exactement. Et ça passe bien là. Oui, oui, oui. Ouais, ça s'en parlait de la chaîne électrique là. Ça fait, vous voyez ça ou pas dans la télé? Vous voyez pas? Tu le vois, Samira? Moi, je le ressens. Voilà. Ne dis pas je le ressens. C'est mon métier de ressentir. C'est mon métier de ressentir. Oui, je mais quand même, tu sais, un créole ressentir avec un, ça peut, ça va un peu aller. Alors, je te rassure, peut-être qu'ici c'est bizarre, mais chez nous, on peut dire ça. C'est pas que c'est pas bizarre, ça peut être péjoratif, en fait. Non, c'est très positif. D'accord. Oui. Ça veut dire je, j'ai la. Mais ça peut être l'intuition. Mal interprété. J'ai l'intuition. Le ressent. Bon, bref, t'as compris ce que je veux dire. Ok. Voilà. Ça marche. J'ai compris. Alors, Samira. Ton but à toi, quand tu rencontres quelqu'un, oui. Quand quelqu'un vient te voir, oui. C'est lequel? De le réveiller. Waouh. Regarde la caméra là. Pour toutes les personnes peut-être qui sont, on va dire, endormies, qui ne sont pas encore oui. réveillées, oui. qui ne sont pas encore... Qui n'osent pas. Qui ne sont pas encore initiées. Complètement. Quel message que tu as? Vas-y. Moi, le message que j'ai, c'est que l'impossible n'est qu'un possible. C'est possible qu'il y ait une impossibilité de devenir soi. Mais il y a une multitude illimitée de chemins possibles pour devenir soi. Et on est sur Terre pour quelque chose. On est venu devenir qui on est venu être. Et pas ce que les autres attendent de nous. Et c'est pas quelque chose qu'on m'a dit, c'est quelque chose que viscéralement j'ai vécu et que j'ai la chance d'être témoin au quotidien de par les gens que j'accompagne. Il est possible de devenir soi avec l'aide de l'univers, du divin. Tu l'appelles comme tu le sens, comme ça te vibre en toi. Mais c'est possible de devenir soi. Regarde la caméra, là, ici, là. Voilà, mon message, il est passé. En 2014, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? J'ai monté ma première entreprise. Oui, mais pourquoi? Le déclic vient d'où? Ça m'a appelé, c'était viscéral. Qu'est-ce qui est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? On remonte avant 2014. En 2008. Alors, 2008, je suis arrivée en France. J'étais pas là, hein? Bien. J'étais pas là. Bien. Ok, en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit, coupé, attends, reste là. En 2008, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je suis arrivée en France et j'ai commencé mes études en France. J'étais partie dans des études que je n'aimais pas forcément, mais je ne savais pas pourquoi j'étais là. Je ne savais pas ce à quoi je servais. Donc, j'étais partie d'un truc complètement opposé. Et j'ai commencé à me trouver, à commencer la quête de moi-même à ce moment-là. Et j'ai remis tout en cause. À ce moment-là. Exactement. Ferme tes yeux, reviens en 2008. T'étais comment? Elle était comment la Samira de 2008? Je n'étais pas encore moi. La Samira de 2008 était ce qu'on attendait d'elle-même, était avec des valeurs qui ne lui correspondaient pas, mais qu'elle croyait justes. Elle avait peur, elle arrivait en France, elle connaissait personne. Tu sortais d'où? Du Niger. Ah, on remonte à la source. Tu sortais d'où? Du Niger. C'était au Niger de quelle année à quelle année? 99 à 2008. Qui gens savent ça? On ne se connaît pas. Oui, mais tu as de l'intuition. Ok. Et pourquoi tu doutais de toi, arrivé en France? Ah, parce que j'étais toute jeune, je ne connaissais personne. En plus, il fait froid. J'arrive d'un pays qui est dans le Sahara, il fait super chaud. Il faisait froid et le mode de vie est complètement opposé au nôtre. Donc ouais, j'avais peur, j'étais pas à ma place. Aujourd'hui, comment elle se sent, Samira? Hyper bien. Comment elle se sent en France? Hyper bien. Pourquoi? Parce que j'ai pu m'entourer de personnes comme moi. J'ai pu me recréer une famille d'âmes et me connecter à des gens qui me comprennent et qui me respectent. Et comment tu te sens aujourd'hui en Guadeloupe? Ah mais moi, je suis tombée amoureuse de cette île. Comment tu te sens maintenant là avec moi? Hyper bien, hyper bien. Pourquoi tu voulais me rencontrer? Je ne sais pas l'expliquer. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Je pense qu'il faut écouter son cœur et suivre ses intuitions, sans forcément
maîtriser sans forcément contrôler. Et après, on le sait avec le recul du pourquoi. Ok. Bon, là, je te dis, j'ai fini de te poser des questions. Là, c'est bon. Maintenant, la deuxième partie, c'est toi qui vas parler de ton histoire et tu vas parler avec les téléspectateurs, d'accord? Ok. Ça va mieux, là? Ça va. Comment tu te ressens? Bien. Bien. Ouais, je suis bien, il y a de bonnes énergies ici. D'accord. Télévision va marcher, sans publicité. Après la Samira, Samira, la dernière question que j'ai. Oui. C'est quoi la chose la plus difficile que tu as vécue jusqu'à aujourd'hui? Dans ma vie perso oui. ou dans les gens que... Dans ta vie personnelle. Il y en a eu plein. La plus difficile, parce que je pense que cette chose-là, le fait que tu témoignes ça, ça va aider énormément de personnes qui ont vécu la même chose que toi ou qui vivent la même chose que toi. L'agressivité. Ou la même chose que tu as vécu. Vas-y. L'agressivité des gens. C'est-à-dire que ce soit des agressions physiques, des agressions verbales. C'est-à-dire, explique-nous, donne-nous un détail pour que tout le monde puisse comprendre. Ouf, mais déjà même tu remontes à l'âge de 8 ans où une fille à l'école m'a cassé le bras, soi-disant parce que j'entendais des voix et que j'étais folle pour elle. Et ça, ça s'est répété plusieurs fois sur plusieurs angles. T'avais quel âge ? 8 ans. Comment s'appelle cette fille ? Sophie. Sophie, tu te rappelles d'elle ? Ah, très bien. Pourquoi elle a cassé ton bras ? Qu'est-ce que tu lui disais ? Rien, je ne la connaissais même pas. On était dans la même classe et puis j'étais en train de jouer et ça a commencé par « Est-ce que tu peux me donner ton goûter ?» Ben non, désolée, j'en ai pas beaucoup, mais je peux partager, mais pas te le donner. Mm-hmm. Et de toute façon, toi, tu es folle, il paraît que tu entends des voix. Et en fait, elle m'a agressée, elle m'a cassé le bras et elle m'a fait jurer de dire que j'étais tombée. Ok, comment on appelle ça ? De la maltraitance. Oui, comment on appelle ça encore ? De la violence. Comment on appelle ça encore ? De l'irrespect. Est-ce que tu as été harcelée ? Ah oui. Comment on appelle ça, ce que tu as subi à 8 ans ? De l'abus. L'abus ? C'est une forme d'abus. T'étais où ? À l'école. C'était de l'enseignement scolaire ? Ouais. C'était pendant la récré, dans la cour de l'école. Première agression ? Ouais. Deuxième agression, c'est quoi ? Ouh, il y en a eu beaucoup. Deuxième agression, c'était plus verbal, c'était pendant mon collège. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on te reprochait ? Parce que je rentrais pas dans les normes et que je ne faisais pas comme les autres. C'est-à-dire ? Ben, les autres se retrouvaient toujours en groupe, ils fumaient, ils buvaient, ils consommaient. Et toi, qu'est-ce que tu faisais à l'époque ? Ben, moi, j'étais dans mon coin, dans ma bulle. Ça se passait où ? Au Niger, au lycée. Pourquoi tu t'es pas accepté ? Parce que je pense que ça dérangeait que je n'étais pas dans les mêmes carcans, dans les mêmes critères, dans les mêmes croyances. Qu'est-ce qu'étaient leurs croyances et leurs critères au Niger ? Dans mon école, hein, c'est oui, pas oui, au Niger. Oui, oui, dans ton école. Ben, qu'il fallait faire la fête tout le temps, qu'il fallait, désolé, je ne vais pas dire des gros mots, mais être tout le temps dans des états modifiés par des stupéfiants et qu'il fallait raconter... Et toi, quel message que tu portais ? Quel ? Message que tu portais, toi, à ce moment-là ? Moi, j'étais dans mon coin, j'étais craintive un peu de tout et moi, je voulais juste être aimée et acceptée. Et pourquoi tu dérangeais ? Parce que j'étais dans mon coin et que je ne suivais pas dans les mouvements qui se passaient. D'accord. Troisième agression. Je peux pas forcément en parler, mais ça s'est passé adulte. Que ce soit du verbal, des insultes, des menaces, du Qu'est-ce harcèlement. Qu'est-ce qu'on t'a fait ? On a diffamé des propos graves à mon sujet, quelqu'un en qui j'avais confiance. Qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui, si tu veux pas rentrer vraiment dans ça, à quelqu'un qui vit la même chose que tu as vécu, alors, quelqu'un qui est en train de vivre cette situation, quel conseil que tu as pour cette personne ? Alors, c'est hyper important que tu t'exprimes, que tu en parles, que tu t'entoures. Parce que quand on est victime de quelques blessures que ce soit, on a tendance à se sentir honteuse ou honteux, inférieure. On a tendance à penser qu'on n'a pas de valeur. Et moi, ma force, ça a été mes amis, ça a été d'en parler, ça a été de ne pas avoir honte de le dire. Et le problème, c'est que quand on est agressé, ben, on a l'impression que c'est jamais grave. On a l'impression que, ben, au final, prendre une claque, c'est pas grave. Prendre une insulte, c'est pas grave. Être filmé à son insu pour être humilié, c'est pas grave. Il n'y a rien qui excuse la violence. Et ça, une amie me l'a appris il y a quelques mois. Il n'y a pas de degré dans la violence. Une insulte est aussi grave qu'une claque et c'est aussi grave qu'un bras cassé. Alors ne t'isole pas. Parle-en. Entoure-toi. Et le nombre fait la force. Le nombre fait la force. Et on est bien plus nombreux que tu ne penses à avoir vécu ça. Et on se relève de tout. Vraiment. C'est mon message par rapport à ça, en tout cas. Et c'est pareil pour toutes les épreuves de la vie, de toute façon.
Entoure-toi de gens vrais, qui t'aiment et qui t'acceptent comme tu es. Parle-en et exprime-toi. Voilà. Et sois fière de toi. Parce que ce qui compte, c'est de te relever tout le temps. Donc tu restes au sol. Je ne sais plus qui m'a dit 7 fois à terre, 8 fois debout. Et c'est vraiment ça. La force, c'est de se relever. Ce n'est pas de rester dans son coin, c'est de se relever. Donc tu es un survivant ou une survivante. Tu es un écorché vif. Sois fier et sois digne. Et tu es légitime. Et encore une fois, il n'y a rien, rien dans ce monde qui excuse la violence, quelle qu'elle soit. Voilà mon message pour toi, pour vous. Et j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans ce cas quand même, hein, parce que ce n'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. On prend un appel. Allô? 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 Bon, on ne prend plus d'appels, hein, parce que les appels où les gens, ils ont peur de parler, ils appellent. Mais non, voilà. Appelez, n'ayez pas donc, peur. Donc, alors, tu étais en Afrique de quand à quand? Alors, en Afrique, je suis née là-bas. Je suis née là-bas. J'ai vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 9 ans. Après, il y a eu le coup d'État en 99, donc on est parti se réfugier au Niger, parce que c'est la nationalité de mes parents aussi. Et j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac à Niamey, au Niger, dans une école française. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, quel message que tu veux nous apporter à toute la population qui nous regarde? Où que tu sois, tu es digne, quel que soit ce que tu vis, tu es légitime, tu as de la valeur, tu as ta place sur terre. Et ne laisse pas les autres avoir du pouvoir sur toi, quel que soit le lien que tu as avec cette personne. Parce qu'encore une fois, on n'est pas venu pour plaire. On est venu pour vivre une vie qui nous plaît. Et le seul juge, c'est l'univers. Personne n'a le droit de te juger. Donc, que tu passes ton temps à rire ou à pleurer, le temps y passe. Et malheureusement, c'est tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas. Parce qu'on ne peut pas le saisir, on ne peut pas revenir en arrière. Et j'entends tellement de personnes, parce que j'accompagne des gens en fin de vie aussi beaucoup, qui me disent, j'ai des regrets, j'ai des remords, j'ai pas fait ci, à cause de ma mère, à cause d'un tel. Et je trouve ça tellement dommage de gaspiller le temps qu'on a sur Terre, qui est tout ce qu'on a, par rapport à des gens qui n'en ont rien à faire et qui, eux, avancent. Donc, vis pour toi, sois fier de toi. Et quel que soit ce que tu as fait, on a tous des parts d'ombre et de lumière. On a tous œuvré dans le sombre, on a tous œuvré dans la lumière. Ce qui compte, c'est de chercher l'équilibre, de travailler sur soi. Ce qui compte, c'est d'essayer d'être toujours la meilleure version de soi-même. Voilà mon message pour toi, où que tu sois. Tu n'es pas tout seul. Et on est nombreux à pouvoir t'aider. Et entoure-toi. Voilà. Message qui vient de mon âme. Comment t'arrives à lire chez les gens leur blocage? Comment t'arrives à définir leur blocage? Alors en fait, en parlant, c'est comme si quand j'entends quelqu'un parler, bien sûr avec une ambiance préparée, hein. D'accord, moi, je fais des prières, je prie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Je prépare mon lieu, j'ai des pierres, j'ai des rituels avec plein de présences invisibles qui ont la chance de... J'ai la chance de bénéficier de leur présence depuis petite. Donc, avec la fréquence de voix, avec une photo, avec une date de naissance, avec un objet qui appartient à quelqu'un, j'arrive à capter des choses que... Au début, je croyais que c'était en ma tête. Je croyais que j'étais folle, que j'entendais des voix. Et puis petit à petit, quand j'ai commencé à en parler, à oser dire aux personnes « Ah, je ressens ça, est-ce que ça te parle ?»« Ah, j'ai l'impression qu'il y a une douleur à mon côté gauche. » Enfin, que j'ai commencé à partager ce que je ressentais et que j'ai vu qu'effectivement, ça tombait juste souvent, je me suis dit, avec toute l'humilité possible, bien sûr, parce qu'encore une fois, c'est là-haut qui orchestre tout ça. Sans là-haut, on n'est rien. Voilà, j'ai commencé à prendre confiance en ce que je ressentais. Je me suis dit « Je veux le mettre au service du monde. Je ne peux pas garder ça pour moi. Et je veux que les autres puissent... être aidé, bénéficier de ça, et que les gens comme moi, ce que je fais le plus, c'est accompagner les gens en stage, en formation, à développer eux aussi leur potentiel, et que les gens comme moi qui sont seuls et qui pensent être fous, puissent avoir conscience qu'eux aussi ont ces possibilités-là, que ce n'est pas réservé à une élite, qu'on est tous des êtres invisibles venus vivre une expérience humaine, et pas des êtres humains venus vivre une expérience invisible. Donc à partir du moment où on prend conscience qu'on est tous magnétiques, on prend conscience qu'on a tous des potentiels
Et c'est comme à l'école. Il y a des gens qui vont être bons en français, il y en a qui vont être bons en maths, il y en a qui vont être bons en littérature. C'est des matières. Il y a des gens qui vont être bons en voyance, il y a des gens qui vont être bons en clairaudience, il y a des gens, ils savent pas pourquoi. Ils sentent des choses sans forcément l'expliquer. Mais tout est digne, tout est légitime. Que tu aies des visions ou non, que tu aies des flashs ou non, tu sens les choses. Parce que cette machine-là, qu'on nous a donné notre corps, est un récepteur, un émetteur. Et il est connecté à la source. Donc tu peux tout faire à partir du moment où tu te connectes à la source avec ton cœur et avec humilité. Pourquoi tu voulais me rencontrer? Parce que Lisa, elle ne m'appelle jamais pour rien. Elle m'appelle... Je crois que c'est la première fois que Lisa m'appelle depuis que je suis à Canal 10 pour me demander de recevoir quelqu'un. Et ça fait combien de temps que tu es à Canal 10? Je ne sais même plus. 6 ans, 7 ans, je ne sais même plus. Hein? Merci pour ce privilège. Merci Lisa, si tu me vois. On salue Lisa, elle est la boss de Canal 10, ok? Mais Lisa m'a dit, il faut que tu la reçois. Pourquoi tu voulais me rencontrer? Sincèrement. Sincèrement? Ouais. Parce que j'ai des messages à faire passer. Et c'est urgent. Mais vas-y. Le monde est en train de changer de paradigme depuis quelques années. On est en train de basculer les fréquences. On est en train... Tout notre système illusoire est en train de s'effondrer pour aller vers quelque chose de sain, pour aller vers quelque chose de digne, pour revenir à notre souveraineté, pour revenir à notre pleine puissance et arrêter de se laisser manipuler et pouvoir reprendre le pouvoir personnel. Et il est plus qu'urgent que les gens se réveillent, se révèlent. Il est plus qu'urgent que les gens arrêtent de remettre leur pouvoir à autrui. C'est-à-dire, développe tout ça, que les gens arrêtent de remettre leur pouvoir. Ça veut dire quoi ? Mais je prends un exemple. On m'a dit que donc je vais pas le faire. On m'a dit que je vais pas le faire. Mais oui, mais elle est où ta guidance intérieure à toi ? Qui a dit que cette personne c'est mieux que toi ? Tu es venu être et faire ? On est tous capables. On a tous la boussole en nous parce qu'on est tous branchés à l'univers, unis vers, ensemble vers le ciel. Et c'est urgent pour moi. La Terre a besoin que tu actives ta lumière. La Terre a besoin que tu vibres. Parce que plus les êtres humains vont être lumineux, plus la Terre va être lumineuse. Et plus la Terre va être lumineuse, plus on va monter en taux vibratoire et plus on va être dans l'harmonie. Et c'est urgent. Parce qu'on s'est trop écarté de nous-mêmes. Alors là, tu sais que les gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'il y a peut-être lundi, j'avais Anna Teko qui est une grande chanteuse. Je ne sais pas si tu la connais. Non. Anna Teko. Non, désolée. C'est une bonne chanteuse aussi africaine qui vient. Je regarderai. Qui loue le Seigneur, loue l'Éternel de toute la caille, de toute l'Afrique. Elle était avec moi lundi. Okay. Aujourd'hui, je te reçois. Donc les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Ouais, mais Chica, je ne comprends pas. C'est quoi sa religion? C'est quoi? Comment il était avec quelqu'un qui loue Jésus? Aujourd'hui, il est avec une magnétiseuse. Alors, je n'ai pas de religion. Je suis spirituelle. Voilà. Je crois, je suis animiste, je crois que tout a une âme. Et je prie autant l'esprit du feu, l'esprit de l'air, l'esprit de l'eau, l'esprit de la terre, les pierres. Pour moi, tout est vivant, tout a une vibration, tout porte une énergie. Et je respecte tout. Et je respecte les religions. Parce qu'encore une fois, à partir du moment où tu vois midi à ta porte, où tu as la foi en quelque chose qui te soutient, où tu as conscience qu'il y a une ressource au-dessus de toi, qui orchestre et qui nous guide au fur et à mesure, c'est OK. Donc oui, mais il ne faut pas croire, hein, mais Jésus, je le reconnais aussi. Voilà, alors moi, je vais te expliquer quelque chose. Moi, Chicanos, je crois au cœur d'une personne. Et je le dis tout le temps, chacun doit avoir sa croyance. Nul n'est personne pour dire en qui il faut croire. Exactement. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que quelqu'un se sente équilibré dans sa croyance à elle-même. Moi, j'ai aucun problème à parler avec un catholique ou un évangéliste ou un bouddhiste ou un témoin de Jéhovah ou un musulman exactement. Ou un bouddhiste ou une magnétiseuse ou quelqu'un de... Ce qui est important pour moi, c'est ce que ton âme et que ton cœur dégage. Exactement. Est-ce que tu es quelqu'un de positif ou est-ce que tu es quelqu'un de négatif? Nul ne peut juger l'autre. Exactement. On a tendance à vouloir trop juger. Nous sommes tous des pécheurs, tous des humains avec une marge d'erreur. La vérité, pour moi, elle est universelle. Elle n'est pas une seule chose. Ouais. C'est pour ça que tout le temps que je dis,
Moi, ma religion, c'est l'amour. Mon église, c'est la nature. Et voilà. Donc, n'essayez pas de me mettre dans un cadre. Je ne suis pas un tableau. Je ne suis pas un tableau. Ne mettez pas dans un cadre. Moi, je vais où Dieu il m'emmène, où mes ancêtres me guident. Exactement. Et où ma descendance me guide. Ça, comprendre. Comprendre. Voilà. Vas-y. Je ne peux rien rajouter à ce que tu as dit. C'est parfait. Et ça résonne en moi et je pense exactement comme toi. Parce que effectivement, t'as des gens qui sont dans une religion mais qui font du sombre toute la journée. Redis ça encore. Il y a des gens qui font du sombre alors qu'ils sont religieux. Et c'est pas la religion n'est pas un vêtement qu'on porte comme ça. Ce qui compte, c'est le cœur et l'âme. Si toute la journée tu pries l'univers ou Dieu ou Allah, enfin peu importe, et que tu passes ton temps à faire du mal aux gens, à quoi ça sert? Oui. Et tu peux être complètement athée et faire du bien à cette planète tout le temps en respectant la nature, en respectant la vie. Moi, je le vois dire encore, je suis là, à cette place, pour donner de l'amour à tout un chacun. Exactement. Qu'aux personnes qui ne m'aiment pas, qu'aux personnes qui m'aiment. Moi, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Donc, n'essayez pas de dire pourquoi Chikai reçoit un tel ou un. Je reçois tout le monde. Parce que je leur ai dit, la vérité, elle est universelle. Exact. Tout le monde peut penser avoir un avis. Mais est-ce que ton avis est égal à la vérité? D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais la citation chicanoise de « La vie de l'autre n'est rien d'autre que la vie de l'autre. » Donc, la vie, L'AVIS, ce que pense quelqu'un est basé uniquement sur sa vie. Waouh. What's your role? La vie de l'autre n'est rien de plus que sa vie. Je vais épeler pour que ce soit plus simple. La vie, ce que tu penses, ce que tu crois, tes croyances, AVIS, ton avis est basé uniquement sur la vie VIE que tu as eue. Donc à partir du moment où on est des milliards sur Terre à avoir des identités, nos propres empreintes de la main sont différentes, il n'y en a pas une pareille. L'univers a créé plein d'individus avec des empreintes différentes, des voix différentes, des carnations différentes, des textures de peau différentes. Alors qui on est pour dire que nous, notre petite personne, on est les seules vérités universelles? Non. Why? Ça c'est très important ce que tu as dit. C'est très important ce que tu as dit. Dieu nous a fait uniques. Pourquoi devenir des photocopies? Exactement. Arrêtez de copier moun. Ou non, personnalité qui t'a ou. Pourquoi on veut copier un tel? Parce que pendant qu'on copie un tel, vous-même, on va disparaître. Pendant que tu copies quelqu'un, tu es en train de t'effacer, de disparaître. Tes empreintes digitales sont uniques. Parce que tu es une personne unique. Exactement. Chaque personne sur Terre a ses propres empreintes digitales. Tes empreintes digitales te représentent. Ton ADN, exactement, il est unique. Si Dieu t'a donné un ADN unique, c'est parce que tu es quelqu'un d'unique. N'essaie pas de ressembler à X ou Y. Sois toi, sois authentique. N'essaie pas de copier X ou Y. Parce que pendant que tu es en train de rêver et de jalouser la vie de X ou Y, tu ne fais rien, tu restes à ta place. À la place que tu es, tu n'avances pas. Et le temps passe sur toi. Voici le message que tu m'as fait délivrer. Là, on va rendre de la joie à une mamie qui me regarde tous les jours. Elle ne sait pas que je vais l'appeler. Mais là, je vais l'appeler pour son anniversaire. Est-ce que tu peux faire le numéro de téléphone pour moi? Attention, on va appeler mamie. Allô? Allô, bonjour, mamie. Joyeux anniversaire, mamie. Joyeux anniversaire, mamie. Joyeux anniversaire, mamie. Joyeux anniversaire. Allô, mamie. Oui. Pourquoi est-ce que mon gars parle bas? Oui, merci beaucoup. Bon anniversaire. Mais mamie, qui mon gars parle bas? Chicana. Radio ça encore. On s'en vous pas rater émission là. On s'en tous les jours qu'à regarder. Hein? Alors, mamie, ça va? Gros bisous. Oui, ça va. Oui, ça va. Est-ce que tu sais c'est la part de qui je t'appelle là? Non, de ma fille. Quelle fille? Comment elle s'appelle? Patricia. Patricia, eh bien voilà.
Patricia, t'es déjà dit Chicanos qui a crié ou comment c'était G? Eh bien voilà, joyeux anniversaire, longue merci. Vie, pleine santé merci. Pour toi, mamie, et que le meilleur, et en pile l'amour. Merci, Chicanos, merci. Et je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mamie. Ok? Quand tu y es prié, ben moi, mais c'est ça, bizarre, mon café prié, ben moi. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Merci, mamie, et gros bisous à n'importe quand. Oui. Voilà. Eh bien voilà, on distribue l'amour, c'est ça ma mission, c'est distribuer l'amour. Vas-y, nous reste maintenant 5 minutes. Okay. Qu'est-ce que tu veux rajouter? On passe par toutes les émissions dans l'émission, hein, tu vois. Toutes les émotions, dans toutes les émotions. Hein. Tu parles de l'amour, mais je pense que c'est la base sur Terre. Et que sans amour, il n'y a rien. Mais l'amour, il commence d'abord par soi-même. Donc, aime-toi. Priorise-toi. Waouh. Et redistribue ça. Waouh. Tu vois, c'est un message que tu avais pour moi. Hein. Mm. Hé, je vous mens pas. Elle vient de dire un truc. C'est faux. Les faux, faut dire faux. Le message que tu avais pour moi, c'est lequel? Ouais, dis-moi. Je vais essayer de répéter. Répète. L'amour, c'est la base sur Terre. Je sais plus exactement ce que j'ai dit. Aime-toi. Ah ben, tu sais. Aime-toi, priorise-toi ouais. Et redistribue-le. Il y a une mamie qui m'a dit ce matin, écoute, je l'ai marqué. Elle m'a dit, Chica, j'ai vu cette photo et j'ai pensé à toi. Et elle m'a envoyé cette photo. Sur la photo, c'est qu'est-ce qui est marqué? Dis-moi. Faites de vous une priorité de temps en temps. Ce n'est pas égoïste. C'est plutôt nécessaire. Et toi, tu me redonnes la même parole. Peut-être que j'ai déjà assez donné, j'ai déjà trop donné, je me suis oublié, et il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes, je le dis, complètement, qui ne voient pas tout ce que j'ai déjà fait pour eux. Ouais, il y aura giré moins, mais il y a pas à voir tout ça en fait. Que pour yo, que pour peut-être des familles à yo, que peut-être pour la Guadeloupe. Mais tu me redonnes un message qui m'a été donné ce matin. Je relis encore ce que la mamie m'a dit ce matin. Elle m'a dit, Chica, faites de vous une priorité de temps en temps. Faites de toi une priorité de temps en temps. Ce n'est pas égoïste, c'est plutôt une nécessité. Peut-être que l'heure est arrivée. Pour que c'est certain. Je pense un peu plus à moi et laisser les autres gérer. Ceux qui pensent pouvoir gérer mieux que moi, ou ceux peut-être qui veulent ma place, peut-être que l'heure est arrivée aussi pour que je laisse ma place. Peut-être que ma mission est... Alors, et peut-être ailleurs. Qu'est-ce que tu penses? Dis-moi. Moi, je pense que les gens, ils voient aussi le sommet de l'iceberg et ils ne se rendent pas compte que pour arriver à ta place, tu as travaillé. Redis ça encore. Oui. À pas travailler acharnement. Oui, ben oui. À travailler acharnement et travailler... incroyablement, aucune victoire n'arrive comme ça. Toutes les victoires arrivent par des efforts, des sacrifices, du travail acharné, des jours et des nuits complètes, à ne pas dormir, à hurler dans le noir, à hurler dans l'eau sans que personne ne le voie. Et crois-moi, je le sais. Donc c'est facile de jalouser quelqu'un quand tu te bouges pas et que tu restes sur ton canapé à critiquer toute la journée. À partir du moment où les gens se contentent d'être comme ça, ça leur appartient. Mais Chicana, si tu arrives à ça... Le seul mérite, il est à toi. Bien sûr, à l'univers, parce que c'est lui qui nous ouvre les portes. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui à te parler. Ok. Ça veut dire que maintenant, voilà, tous ceux qui veulent la place en Guadeloupe, venez la prendre. J'ai d'autres endroits à aller. Radio s'en va. Il faut que tu te priorises. Et que tu sois fier. Parce que tout ça, ce n'est pas sans effort. Et si les gens ne voient que j'ai le payé sommet cher, hein. De l'iceberg... J'ai payé par... Même par le sang. Tu sais quoi? J'ai payé même par le sang. Tu sais quoi? Ils savent même pas. Peu importe. Il y a une citation qui dit, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était « Ne crie pas ton succès. Laisse le succès le crier pour toi. Laisse la réussite le crier pour toi. » Et ça, je l'ai appris. C'est pour toi que tu réussis. Et malheureusement, s'il y en a qui ne peuvent pas s'inspirer de toi, parce qu'il ne faut pas jalouser, il faut s'inspirer de quelqu'un. Se dire, voilà, lui, il y est arrivé, qu'est-ce qu'il a pu mettre en place? S'intéresser à cette personne pour... Moi aussi, je veux mettre ça en place pour moi. Je veux m'inspirer, donne-moi un peu de ta force, et puis moi, peut-être, je te la donne pour autre chose. Voilà.
Alors, on va mettre ton contact, tes supports pour les gens. Avec plaisir. Qui veulent rentrer en contact avec toi. Alors, comment te joindre? Dis-nous. Alors, j'ai une page, donc j'ai un site internet que vous voyez s'afficher, avec tous les soins, les stages, les... que je propose. Et j'ai une page Instagram, où je suis très active dessus, où je diffuse tout quotidiennement, que ce soit des pensées, des phrases, tout ce que je vis. Et donc, je suis basée sur Pessac pour le moment, mais je viens de plus en plus ici, donner des stages aussi, à peu près tous les 3 mois. Et je fais des soins par téléphone. Donc, pour me joindre, c'est via le numéro de téléphone qui est sur le site. Et bientôt, je mets une application en ligne dans les jours qui vont suivre pour que vous puissiez être autonome, indépendant et que vous puissiez prendre vos rendez-vous. Parce que c'est vrai qu'en soins, je ne décroche pas. Je me connecte et je me centre uniquement sur les personnes que j'accompagne. Donne-nous votre téléphone. Oui, alors plus 33, du coup, vu que c'est en France. Plus 33, 6, donc 06, 60. 71 04 70. Alors, moi, le mot de la fois que j'ai à dire, c'est très clair. Je ne suis pas. Ok. Nous pas être obligés être d'accord avec croyance à chaque monde. Ça veut dire que nous pas obligés de dire au monde oui, amen, si nous pas d'accord. Mais faut nous respecter croyance à chaque monde. Ça, c'est très important. Et moi, quoi vrai, en y croyance en moi, en y conviction en moi. Mais parce qu'en y conviction en moi, on peut pas écouter, discuter, parler, échanger avec un monde qui pas ni même croyance qui moi. Si ou pas capable de parler, écoutez un monde qui pas ni même croyance que vous, c'est qu'on pas croyant. Parce qu'un croyant doit être capable d'échanger, doit être capable d'essayer de convaincre l'autre, pas de le repousser, pas de dire mais son diable. Ah mais non, au contraire. Sous aimer un monde, faut chercher aider. Si vous savez quoi penser que vous dans la vérité, eh ben c'est vous à essayer de convaincre lui pour ramener dans la vérité vers vous. Mais non, ou pas être justement, revoyez. Parce que là, quand revoyez, quoi voyez-vous là? Si vous qui pensez qu'on est dans la vérité, il faut essayer de ramener, écoute dans la vérité. Tu as compris ça que Jésus ou pas? J'ai compris et Vas-y. Je me permets de dire quelque chose parce Vas-y. Que ça me touche particulièrement. Oui. Tout à l'heure, tu me disais que je t'ai redit un message qu'on t'a dit. Oui. Là, tu parles de quelque chose qui m'est arrivé en décembre, sans rentrer dans les détails. Vas-y. Une part de moi ne plaisait pas à des personnes et ils l'ont rejetée, dénigrée. Et effectivement, j'ai vraiment quelque chose à dire dessus. L'amour inconditionnel, c'est aimer sans condition. Alors, on va devoir rendre l'antenne, mais je lis juste un message d'une dame que j'aime énormément, qui a besoin de venir ici. Vas-y. Cette dame, c'est vraiment... Elle s'appelle... Une dame qui est une source d'inspiration, une source de bonté, une source d'amour. Elle s'appelle Arsenia Rousseau Arlequin, qui a écrit un livre qui s'appelle « Mon époux est malade, alors je me soigne ». Et elle me dit « Bonjour Chicanos, l'intervention de Samina est très proche des soins énergétiques et de la puissance spirituelle évoquée dans mon livre. » Qu'est-ce qu'elle message que tu vas lui dire? Et ça sera le message de la fin, vas-y. Merci pour ce témoignage. Et je suis honorée qu'il y ait quelqu'un en plus dans ma famille d'âme. Et que j'ai eu la chance de croiser, même si on ne se voit pas, à l'antenne. Et on fait partie de la même famille. On travaille tous pour la source. Donc là, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, malheureusement, on a dépassé de 2 minutes déjà. Ouais. Merci à tous. J'ai terminé, c'est bon. Je vous remercie de m'avoir accueilli ici, Chicanos, et toute l'équipe de Canal 10. Merci à Lisa. Et surtout à Lisa. Merci c'est elle qui a insisté. Ah ben oui. Merci Lisa, que je vois demain d'ailleurs. Ok. Aussi, et voilà. Eh bien, Lisa la bosse, hein. Voilà. Lisa la bosse. Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est vraiment, je dirais comme Samira, j'allais dire ma soeur Samira, tu vois. Tu peux. Eh bien, c'est merci d'être aussi nombreux tous les jours à suivre l'émission. Parce que sans vous, mais il n'y aurait rien eu. Vous avez suivi dès le départ.
dès mon petit iPhone où je partais dans la rue faire des émissions où tout le monde riait parce qu'à l'époque j'avais juste un petit portable. Hein? Mais la source a fait que les mêmes personnes qui se moquaient de moi en 2010, aujourd'hui, ils sont dans la rue avec un petit portable. Et ça, c'est ma plus grande victoire. Parce que leur direction les oblige à aller dans la rue avec le petit portable. Ça me parle énormément. Voilà. Donc, on paquette l'amour à tout le monde. L'amour! Opinia, restaurant à volonté, spécialité créole indienne, vous a présenté un noyau. Pas laisser ce produit, plus belle richesse à vie.